Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de VIP. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir une jeune artiste, une musicienne. Elle s'appelle Garance Toucourt, elle est yvelinoise et elle vient nous présenter son nouvel EP et nous parler d'un futur concert. Garance Toucourt, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être là, vous allez bien? Très bien. Pas trop chaud? Non, ça va. Ça va, ouais. Super. Alors, on va vous découvrir. Vous avez un univers bien à vous. C'est ça qui est intéressant, heureusement. Et on va... Moi, j'aimerais savoir, depuis quand vous faites de la musique? Depuis toute petite. J'ai commencé le piano à 6 ans. Et ensuite, je suis rentrée en horaire aménagé au Centre de musique baroque de Versailles dans une chorale à mes 8 ans, je crois. D'accord. Ans. Donc, depuis toujours. Et c'était de votre volonté? Ou c'est vos parents qui vous ont poussé? Ah, le piano, c'était ma volonté. En fait, petite, je parlais pas, j'étais très introvertie, je faisais que de chanter, mais je parlais pas. Et puis, très rapidement, j'ai voulu faire du piano, donc là, je les ai un peu harcelés. Ils préféraient que je fasse de la guitare ou un instrument qui coûte un peu moins cher, et j'ai dit non, piano, piano. Et puis ensuite, les classes horaires aménagées, là, c'était plus... fallait soit que je saute une classe et j'avais pas envie parce que j'avais qu'une seule amie, j'avais pas envie d'être avec les plus grands. Ouais. Et du coup, au lieu de sauter une classe, ils m'ont mis un horaire aménagé pour que les disciplines soient un peu plus. Je sais pas comment dire, bah, on va avoir cours le matin. Tout se passe bien, enfin, voilà. Que ce soit plus simple pour vous. Et exactement, et du coup, dans la musique, ça paraissait cohérent. D'accord, et alors vous jouez du piano et le chant, alors c'est venu quand? Bah justement dans cette chorale qu'est le Centre de musique baroque de Versailles, donc à partir de 9 ans. Ça a un nom cette chorale, non? Oui, la maîtrise. Ah voilà, maîtrise. C'est la maîtrise. Merci. Ok, ouais. Et alors cette votre côté professionnel, chanteuse, interprète, alors vous êtes interprète, compositrice, autrice, productrice, vous faites tout en gros quoi. Oui. Voilà, et en tant que professionnelle, ça fait combien de temps? Ça, je m'y suis parce que j'ai complètement arrêté la musique à l'adolescence, et puis j'ai repris à l'âge de mes 20 ans, et j'en vis là vraiment depuis 3-4 ans. D'accord. Voilà. Ok. Et vous avez donc sorti plusieurs morceaux différents, et là, on va parler de votre nouvelle EP, oui, qui s'appelle Melpomène. Oui. Alors, qui est Melpomène? Alors, Melpomène, c'est initialement la muse du chant et de l'harmonie musicale. Et lorsqu'elle est associée à Dionysos, elle devient la muse de la tragédie. D'accord. Et voilà. J'ai vu aussi que ses servantes étaient la terreur. Ses suivantes, pardon. Oui. La terreur et la pitié. Tout à fait. Là. Donc ça, c'est le titre, c'est le nom de votre EP qui se compose de sept morceaux. Oui. Voilà. Et comment vous définissez votre style de musique? Alors, j'ai toujours beaucoup de mal. Pour moi, je fais de la pop. Du moins, j'ai l'impression de la pop française. Après, la pop, c'est très vaste. Du coup, j'imagine que je suis... Il y a mes influences. J'ai fait donc de la musique baroque et j'ai fait aussi du jazz. Donc peut-être qu'il y a un peu des influences à l'intérieur. Et j'imagine que j'explore plusieurs sonorités. Bon, du coup, je dis pop, mais j'ai toujours un peu de mal. D'ailleurs, dans deux, trois morceaux, j'ai noté la valse à trois timbres et puis je ne sais plus lequel. On a une intro qui est vraiment lyrique, symphonique, et on se dit il y a le baroque qui sommeille encore en vous, enfin qui sommeille ou pas, justement, mais qui est encore présent, quoi. Ah oui, tout à fait. Ouais, ça habite encore votre musique. Et alors, dites-moi, c'est vous qui écrivez les paroles? Oui. Voilà. Et alors, ces paroles, elles sont quand même assez engagées. Vous ne parlez pas pour ne rien dire, non, ma chère amie. Non, ça va avec qui je suis dans la vie, j'imagine. C'est-à-dire? Je suis assez engagée, et en l'occurrence, beaucoup pour la cause féministe. Et je pense être quelqu'un d'assez souvent frontal et même parfois un petit peu provocante, je crois. Et du coup, je pense que dans mes textes, ça peut... Ça correspond à ce que vous êtes. Voilà. Et moi, je vous propose qu'on écoute un extrait d'un des morceaux de votre nouvelle EP. Avec plaisir. Est-ce que t'as déjà prié pour que la prochaine vie soit la bonne? Pour que cette fois-ci, tu t'incarnes en homme? En as-tu déjà tellement voulu à ce corps qu'elle tient? Jusqu'à en vomir, jusqu'à crever de faim?
Est-ce que t'as déjà tant voulu que ce soit les hommes qui se battent pour toi? Parce que quand c'est les femmes qu'ils font, on ne parle que de leurs poils sous les bras. T'as voulu croire en ce mec qui te changeait les idées, qui te changeait des idiots passés et puis qui les a dépassés. J'ai mal à l'ego, j'ai mal à l'orgueil, j'ai mal aux organes, y'en a qui s'en sortent mal. Voilà. Alors, ça s'appelle Mégo. Alors, moi, quand je l'ai écouté, comme je suis un petit peu, j'ai l'âge que j'ai, bref, il y a des mots qui m'ont échappé. Alors, moi, j'entendais orgueil, organe, bon, go, go, go. C'était ça, la chanson. Mais non, le titre, ça veut dire autre chose, Mégo. Oui. Alors, expliquez-moi, s'il vous plaît. Donc, go, c'est femme, en fait. C'est meuf. Donc, Mégo, c'est, Mégo, ça peut être mes sœurs, mes femmes, mes copines. D'accord. Toutes les femmes. Voilà. Et alors ça, comment dire, ça sent un peu le vécu. Oui. cette chanson. Oui. Vous oui. avez envie oui, de oui. parler d'un truc particulier, pas spécialement. Bah, on peut s'en rentrer dans le vif du sujet. Bien sûr. Je pense que je fais partie. De toute façon, les chiffres sont là. Hein, on est beaucoup à avoir vécu des violences sexuelles. Donc voilà. Voilà, ça ressort aussi en chanson. Et puis vous associez vos gos, vos sœurs. En fait, c'est comme. Enfin, je pensais tout à l'heure, c'est comme un garçon qui dit mon frère, mon ref. Voilà. Tout à fait. Et je pense que la chanson, ça avait cette volonté-là de. Parfois, justement, quand on a une douleur qu'on peut penser finalement personnelle face à quelque chose, un drame qu'on a vécu, on la ressent dès lors qu'on voit qu'elle arrive en fait un peu partout autour de nous et qu'elle est en fait, c'est des violences qui sont presque systémiques et souvent on se reprend une claque quand on voit ça autour de nous et après il y a quelque chose en même temps. Parfois d'assez, je vais pas dire que ça guérit, mais la sororité que moi j'ai pu expérimenter dans le milieu militant, et elle est aussi parfois quand on se rend compte que notre douleur c'est pas que nous, mais que en fait c'est quelque chose qui existe. Il y a aussi un certain soutien. C'est un peu salvateur. Oui. Ouais. Ça vous. D'une certaine manière. Oui. Ouais. Enfin, ça vous porte, ça vous aide. Peut-être c'est un peu moins lourd. Oui, en tout cas, quand j'ai écrit la chanson, le refrain, je trouvais important parfois de se battre pour les autres. Ça permet. Je me perds un peu dans ce que de je dis. De se battre aussi pour soi-même, parce que dans cette chanson, à un moment, vous écrivez celle qui renonce, celle qui s'éteint. Donc là, vous êtes un peu leur porte-parole, quoi. Vous chantez pour elles aussi. Oui. Celles qui, comme vous, contrairement à vous, ne peuvent pas s'exprimer ou n'ont pas la force. Et donc, vous prenez la parole aussi pour ces gos-là. Oui, oui. Et j'imagine que j'ai souvent eu moi-même pas la force de m'exprimer et que j'ai aimé quand d'autres s'exprimaient à ma place. Et voilà. Parfois, parce que oui, la force de s'exprimer, on l'a pas forcément. Et oui. Ça dépend. Comment se passent les choses, etc. Et moi, il y a une autre chanson qui est très forte, je trouve, un autre morceau qui s'appelle alors, La valse à trois timpes. Alors, moi, j'apprends des mots grâce à vous, c'est super. Alors, timpes, je me suis dit, bon, la valse à trois temps, d'accord, mais alors, timpes, c'est quoi? Oui. Donc, c'est quoi? Le verlan de putain. D'accord. De pute. Putain. D'accord. Mm. Et donc, c'est assez mélancolique, cette chanson. Et comment dire, qu'est-ce que vous nous dites là? Alors là, je parle du destin de trois femmes. La première, ça peut être moi, comme ça peut être n'importe quelle femme, on ne sait pas trop. La deuxième, c'est Eve. Et la troisième, c'est Vanessa Campos. Et donc, la première, finalement, est quelqu'un qui a pu se faire insulter ou s'auto-insulter de honte, qui croit être dans une répétition de schéma de violence. La deuxième, c'est Eve. Donc, c'est la grande coupable, celle à cause de qui on paye tous les péchés, donc c'est aussi un peu une pute. Et la troisième, c'est une vraie pute, c'est une vraie prostituée, Vanessa Campos, qui s'est fait assassiner. Et ça permet finalement cette chanson de dire on est sans arrêt en fait en train d'insulter les putes, mais les femmes de putes. Et en fait, pute, ce n'est pas une insulte parce que c'est un métier et qui en l'occurrence
est très dangereux. Et très dangereux et rend bien service à une certaine catégorie de la population. Bien sûr. Voilà. Et donc voilà, c'est ça. D'accord. Et alors en arrière-fond de ce morceau, on entend un extrait d'une émission télévisée qui date de quand? Vous vous souvenez, vous, de la date de ce... On parle de Gainsbourg. Oui, on parle de Gainsbourg. J'imagine. Oh, il y a bien 30 années, ans, non? 40 ans. 80. Ouais, années 80, on va dire. Mettons. Bah, en fait, c'est Gainsbourg qui est sur le même plateau que Catherine Ringer, donc d'Erita Mitsouko, qui n'est pas encore connue. Donc facile. Ouais. Elle est interviewée. Et je me souviens plus exactement de l'extrait, mais elle dit, allez-y, racontez-nous. En fait, il commence à l'embêter et à l'insulter parce qu'elle a fait du porno. Oui, mais elle le dit. Et elle assume qu'elle a fait dit, du porno très, et il lui très dit qu'elle est dégueulasse, il lui parle très mal et puis il lui dit qu'elle est une pute et elle lui répond, c'est pas la même chose, c'est pas le même métier. Et de manière, je trouve, très courageuse, c'est-à-dire déjà d'assumer, elle, le métier qu'elle a pu avoir, et de dire, y en a un autre métier, c'est un métier, et puis voilà. Et à l'époque, cet extrait d'émission ne choque pas plus que ça, parce que ça fait partie du personnage Gainsbourg, qui traite de pute, même de salope, je crois. Et il y va à fond. Il y va à fond, c'est un peu facile aussi. Bon, elle sait se défendre, heureusement. Mais c'est courageux. Et aujourd'hui, vous croyez qu'on pourrait entendre des choses pareilles? J'imagine qu'on a un petit peu avancé et que le personnage de Gainsbourg ferait beaucoup plus polémique aujourd'hui. On l'idolâtrait sans doute un peu moins. Après, je pense que le chemin est long avant qu'on arrête d'idolâtrer des personnages misogynes. Ouais. Et en l'occurrence, que les putes soient reconnues et en sécurité, ça, on en est vraiment très loin. Ouais. Ok. Et alors, dites-moi. Qu'est-ce que je voulais vous demander? Oui, alors votre disque, c'est enfin, moi je dis disque à l'ancienne. Oui, non, mais on peut. Hein. Votre EP, de 7 morceaux, on peut caractériser comment? C'est un manifeste, c'est un coup de poing, c'est. Ah là là. C'est une révolte. Alors moi, si je l'ai appelé Melpomène, c'est parce que je l'ai pensé comme une tragédie. Je fais aussi du théâtre et donc c'était important pour moi de l'envisager comme ça. Et du coup, pour moi, chaque morceau est en soi aborde des thèmes tragiques. En tout cas, dans ma perception, au moment où je les écris, donc des choses qui nous tombent dessus et on n'y peut rien, c'est-à-dire le viol, le fait d'être femme, les problèmes de santé, etc. Et en même temps, l'EP, en tant que tel, avec ses sept morceaux, est aussi un peu pensé comme une tragédie et comme, là, pour le coup, une histoire un peu personnelle et comment on pourrait la raconter si c'était une pièce de théâtre tragique. D'accord. Voilà. Et vous auriez imaginé chanter autre chose, les petits oiseaux, les fleurs et... Non, jamais. Non, non. Et c'est pour ça que ça a été long, le travail de cette EP, c'est que les premières rencontres que j'ai faites avant de, en fait, moi, me former à la prod et à l'arrangement et faire mon école de jazz, ça a été compliqué. Je m'associais avec... j'ai rencontré des gens, beaucoup des hommes, qui voulaient que je fasse ça. Ils disaient, mais toi, en plus, j'étais blonde à l'époque. Mignonne. Voilà, tu devrais faire des petites chansons d'amour. C'est ça ta ligne. Et j'étais là, non, non, non. Et en fait, il faut savoir que le premier couplet de Mego, je l'ai écrit et le refrain avant Me Too. Et à l'époque, vraiment, personne, tout le monde me disait, tu ne peux pas faire ça dans la pop, c'est impossible. Et puis voilà, alors que maintenant, je me suis battue. Et puis là, ça devient, heureusement, de plus en plus possible. Mais non, c'était pas du tout envisageable pour moi d'écrire autre chose que ça. Hein, donc voilà, c'est fait, bien fait. Voilà. Et bon, après, on parle de tragédie, mais bon, l'album s'écoute, il y a aussi de la légèreté. Il y a aussi, heureusement, bien sûr. La composition, la production, la musique. Oui. Qui quand même, je disais tout à l'heure, il y a de la symphonie, du lyrisme, mais il y a aussi du pop, un peu de gaieté aussi, de légèreté. Ouais. Et puis on peut aborder ces... C'est pas courant, quoi. Non, j'espère pas. Ah ben non, mais non. Et on peut aborder des thèmes en plus avec de la légèreté, avec parfois du sarcasme, de l'humour, de l'autodérision. Le discours. Voilà. Et puis c'est plus agréable sur scène aussi d'avoir des morceaux qui bougent. Alors sur scène, vous avez dit le mot, ma chère. Alors oui. Le sur scène, c'est bientôt quand même. Oui. Le 16 septembre. Tout à fait. Vous aurez votre premier grand concert.
Là, ça va être un gros, gros concert, oui. Donc, au Palais des Congrès de Versailles. Mmh. Et ce qui est génial, c'est déjà, il y a symboliquement, je retourne à Versailles. Et en fait, je vais, vu que c'est une grosse salle, j'ai écrit des arrangements. J'ai vu le truc un peu plus en grand que les autres concerts que j'ai pu faire auparavant. Et mes anciens camarades de chorale de la maîtrise, du coup, ont accepté de venir. Et donc, j'ai écrit des partitions pour chorale. Donc, il va y avoir. C'est très fort. Je pense. Et voilà. Dites-moi, il y a qui sur scène? Alors, il y aura qui? Alors, il y aura donc mes musiciennes. Donc, j'ai une batteuse qui s'appelle Chloé, une bassiste qui s'appelle Alexandra et une guitariste qui s'appelle Zoé. Elles sont génialissimes. Il y aura du coup des anciens camarades de la chorale de la maîtrise du Centre de musique baroque de Versailles et puis des petits invités, des amis artistes qui viendront. Génial. Voilà. Donc on va entendre cette EP et des morceaux d'avant. Des morceaux de demain voilà. qui vont être produits cet été peut-être. Exactement. Oui, parce qu'il faut tenir, c'est un concert, c'est long, c'est une heure et demie. Oui, tout à fait. Ah ouais, faut le nourrir. Ouais, ouais. Ouais. Bah ouais. Bon, bah écoutez, ça va être génial, moi j'ai hâte d'y être. Bah oui, moi. Voilà, bravo pour cette EP, pour ces sept morceaux forts, merci. Intéressants et beaux. Vraiment. Et bah écoutez, Garance tout court. À très vite. À très vite. Hein, et merci beaucoup de m'avoir reçu. Comment ça s'appelle quand c'est pas un EP? Un album. Tout simplement. Bah, oui, de 12 morceaux. Travaille dessus. Travaille dessus. Oui. Bon, alors je compte sur vous. Oui. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir à tous. Merci de nous avoir suivis. À très vite.